Effectivement, nous avons mis en place la grande semaine petite enfance au sein de notre structure. L'objet est de pouvoir organiser une implication et un partenariat avec les acteurs de la collectivité, c'est-à-dire élus, autres acteurs de la petite enfance de notre intercommunalité également, pour pouvoir organiser sur une semaine complète des ateliers d'éveil et pédagogiques à l'intention des enfants et des familles. Les ateliers ont été nombreux, des ateliers ont été proposés par des assistantes maternelles, des ateliers ont été proposés par la halte garderie, également par notre structure nous-mêmes, un multi-accueil. L'objet étant de pouvoir créer du lien justement sur ces différents ateliers, de mixer aussi les partenariats avec les professionnels. Donc un type de créativité, il émanait effectivement peut-être pour certains d'une inspiration de ce fameux livret, pour d'autres effectivement des inspirations du projet pédagogique qui va conduire la collectivité sur une année. Donc effectivement cette année, pour vous donner un exemple concret, on travaillait autour du thème « Tout bouge », à savoir que nous nous formons sur le langage signé des bébés. Donc on a fait le choix de pouvoir travailler autour des doigts, des mains, des chansons, des comptines signées, des contes signés également, pour pouvoir faire découvrir et aux familles et aux enfants une capacité à communiquer avec son enfant et tout petit enfant qui n'a pas le langage autrement que par la parole. Très positif. Le retour des parents positif, le retour des élus également extrêmement positif, le retour des professionnels positif. Pourquoi ? Parce que ça mixe. C'est un mixage de population, un mixage de compétences, c'est un partage également de connaissances et puis des liens et des relations qui se créent et des possibilités aussi à aller chercher des enfants qui sont un peu isolés pour pouvoir justement les conduire vers une dynamique sociale et les aider à grandir et pouvoir s'insérer dans au sein du système scolaire. Toute l'équipe était extrêmement motivée pour participer à ce projet. Puisqu'effectivement, il s'agit d'inscrire ses compétences et de faire valoir ses connaissances au public plus élargi. Et c'est vrai que de par les métiers qu'elles exercent, elles ont cette volonté et cette capacité à vouloir partager avec d'autres personnes. Donc effectivement, on peut observer aujourd'hui des enfants qui s'investissent du langage signé dans la communication de tous les jours et donc qui vient faciliter les échanges entre les professionnels enfants et également même les parents eux-mêmes et les enfants. Nous aurons certainement effectivement une implication nouvelle pour l'année 2019, à savoir que sur l'année 2018, notre collectivité à nous a été investie au niveau de la CAF pour participer justement à une conférence autour de la Grande Semaine Petite Enfance pour porter un maximum d'acteurs petite enfance au sein du projet. C'est une belle réussite. C'est un beau partenariat, c'est des nouveaux échanges, des nouvelles relations qui se créent d'un point de vue professionnel. C'est également des relations qui se créent nouvelles et qui sont découvertes par les familles, les parents eux-mêmes et leurs enfants.